Allez, next, on va s'attendre avec la machine à sous Uncharted 6. Hop. Alors, les mises, 20, 50, c'est un peu trop. On va commencer avec des mises à 20. Bon, espérons que le jeu va nous dégainer les doubles ou triples joker expansif. Ou les bonus free game, les trucs qui sont relativement rares à gagner. Alors, numéro 3, le skater. Eh ben, il est sorti, sans déconner. Le miracle, en début de partie, c'est pas mal. Ah, les bonus game, hop, sont mis à 20 balles. On va voir ce que ça va raquer. Allez, super joker expansif, un petit deuxième peut-être. Jamais 203, ce serait pas mal. Ce serait du big win assuré. Alors combien, combien? .328. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Pour des mises à 20, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut redégainer en double? En triple, ce serait que mieux, mais ça, bien sûr. Pas à tous les coups. Payé à 400 balles, 3 free games de restante, il n'y a plus de wild. Et ouais, plus de joker expansif. Et ben voilà, 416 de win, on remonte à 2008. Ouais, bien sûr, ce serait trop beau. C'est possible, mais eh ouais, fallait pas rêver. Ouais, je vais peut-être tenter quelques spins à 50 balles un peu plus tard, mais bon, vu ce qu'il y a dans le cash, dans la balance. C'est un peu tendu. Les tentatives. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais on verra bien. On n'a pas de numéro 3. Ah ouais, tu m'étonnes, ça aurait été trop beau qu'il me balance les 3 scatters d'entrée sur le premier spin à 50 balles. Alors, est-ce qu'il pourrait nous dégainer par hasard un triple, soit triple scatter ou triple super wild? Ouais, de toute façon, c'est les deux trucs qui sont rares sur ce jeu, donc ça va bien sûr pas être garanti. Ah ben là, ça nous fait une belle série de spins perdants. Oh! Bonus game à 50 balles, les rounds de free game, c'est parti, hop. Si on a la chatasse pour qu'il nous pond un triple wild expansif, ce serait pas mal. Enfin, déjà un double, c'est déjà ça. Alors, pas de wild. Payout, c'est tout noir, c'est le zéro, le néant total.
Pas de wild. Pas de wild. C'est free game de restante. Généralement, ça nous prend un double ou éventuellement un triple wild. Ouais, que dalle. 3 free games de restante. Alors, enfin, le premier. Va-t-il y en avoir un deuxième? Eh ben non, pas de deuxième. 305. Balles et dernière free game 505 de win. Voilà, on dépasse à peine 2x10 par rapport à la mise, on remonte à 2006. Ouais, pas top, hein, pas top, pas top. Alors, triple wild dans tes rêves. Eh ouais, c'était dans tes rêves. Là, c'est clair que cette machine à sous, des fois, elle prend le triple wild, mais bien sûr, c'est une fois toutes les je ne sais combien de centaines ou de milliers de parties. Dix balles, 16 balles. On va retenter les spins à 50. Bon, avec 2003 dans le sol, c'est un coup à pas faire long feu si le jeu nous dégaine des longues séries de spins perdants. Enfin, c'est comme d'hab, c'est... Alors, numéro 3, non. Pas dire qu'il va me faire l'option du triple wild, faut pas rêver. Ça aurait été trop beau. Il est pas là. Petit coup d'œil par là, 1008. Ouais, j'avais commencé à 2005, donc 700 balles de partie dans ce jeu. Enfin, on a déjà fait pire. Oui, rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5, ça sent le triple leurre. Voilà, triple leurre, c'est réglé. Je crois bien que je vais pas tarder à oublier les mises à 50 balles.
Alors, spin champ 75. Spin miracle à 100. Avant de dérouler les mises à 20. Ah, le spin miracle qui aura filé, ben, ça emballe, on retente. Ouais, wild, double scatter, 0 win. Allez, on se calme, flipette, mise à 20. Que faire? On va retenter la tentative. Grosse mise pour que ça paye, ça du win. Alors double wild peut-être. Ah ouais, fallait pas rêver. Bon, de toute façon, là, quelques spins perdants, on va pas faire long feu. Alors triple bestiole 160. Voilà, wild, 0 win. Allez, un petit deuxième, ce serait pas mal. Et voilà, le générateur symbolatoire, il a pas voulu, mais on a eu le symbole, le 5 of a kind. Alors, sur une mise à 50, combien ça rack? 750 balles, pas mal. On remonte à 1004. Enfin, pas de bénéf, mais c'est toujours ça. Allez, double wild, triple wild. Dans... Oh! J'allais dire dans tes rêves, mais il a déjà dégainé le double. Pas de triple, malheureusement. Voilà, un petit troisième round de bonus free game, ce serait pas de refus. Bah pour le moment, on esquive le zéro, mais c'est que partie remise. Allez, double wild, triple wild dans tes rêves. 125. On peut espérer le deuxième et le troisième, faut pas trop s'enflammer quand même. Eh non, 120 balles de win. Ouais, tu m'étonnes, qui dit triple wild dit forcément joli win, donc tu m'étonnes que c'est rare. Que le troisième round de free spin, on va s'asseoir dessus. Alors que faire? Me fixer une limite à 1000 balles par exemple, ou poursuivre la partie jusqu'à 0 si je paye que dalle. Allez, on va être fixé. Ouais, il est pas là.
Ah, ouais, bah, je crois qu'on va faire le dernier spin, puis arrêt de partie direct, donc on va voir. Alors 25 ici. Alors ici que dalle, on va faire un spin à 20. Oh, free game. Est-ce qu'il va nous faire un leurre? Ah bah pas de leurre, ok, on allait arrêter la partie. Oh bah voilà, free game, bah tant mieux. Enfin, on va voir ce que ça paye. Allez, 10 free spins sur une mise à 20. Si on a la moulasse qui nous dégaine le triple joker expansif, ça pourrait être pas mal. Bon, faut pas trop se faire d'illusions, ça arrive une fois toutes les je ne sais combien de parties. Alors, pas un wild à l'horizon. Pas un wild non plus, total win 158. Ouais, 6 fois ça va payer des cacahuètes. 3 free games de restante, on n'a pas vu un wild. Pas un wild à l'horizon. Alors. Eh ben non, peut-être sur le dernier. Eh ben non, apparemment même pas. Ok, bah du coup on reste sur 158. Ouais, bah déception. Bah ouais, allez, limite fixé à 1000 balles. Hop, on va poursuivre histoire de voir si on a un petit retour miraculeux. Ah bah pas mal le troisième round de free game qui a payé que dalle. C'est franchement pas mal. Wild, 0 win, allez un spin de restant, hop, si ça perd on se casse, et je crois qu'on va finir sur un petit leurre, oh non, on refinit sur les free games, bah, deux fois de suite, voilà, hop, sur le dernier spin, allez go, alors j'espère que ça va payer un peu plus que les 184 que ça payait tout à l'heure, ah bah là quand même, coup de bol sur le dernier spin, alors Mister Joker, est-ce que tu vas montrer ta face? Pas chaud pour se manifester. Pas un wild à l'horizon, pas un wild. Qu'est-ce qu'il faut? Normalement sur ce jeu, dans les free games, les wilds sont censés être plus présents, enfin en général. Alors, wild numéro 1, est-ce qu'on va avoir un numéro 2? Eh ben non, pas de numéro 2. 126 de win. Allez, 3 free spins. Super Wild qui nous fait pas de retour en puissance. Et voilà, 170, pas énorme, même pas un x10 par rapport à la mise. Allez, ben on retente, arrêt de partie à 1000, hop. Il va nous refaire la même sur le dernier spin, nous rebalancer les 3 scatters, enfin ça m'étonnerait, mais. Après tout, pourquoi pas. Bah bien malheureusement on n'aura pas eu l'option triple wild expansive donc Alors numéro 1 Et bon, on reste que sur un numéro 1 Ouais, 10 balles. Alors, ouais, ça m'aurait étonné là, franchement, ça aurait été un miracle. Nous faire un coup magique avec le numéro 2, le numéro 3.
Ah ben non, elle n'est pas arrivée. Ah, les 3 spins de restant en 20 balles, qu'est-ce que ça va donner? Allez, le dernier, terminus, tout le monde descend si ça lose. Oh, il va me refaire la même sans déconner, là j'hallucine. Ah ouais, fallait pas rêver là. Il allait pas nous faire le coup à chaque fois. Eh ouais, terminus, tout le monde descend, 996, des hauts et des bas, mais au final, casino is the winner.